Nous ne serons pas autorisés à aller plus loin. La société Life veut garder confidentiel son processus de production. Mais c'est dans ce bâtiment que débutera dans quelques semaines la fabrication d'hydrogène grâce à de l'eau puisée en mer et à l'électricité produite par les éoliennes. On a un câble ici de 3 km qui est au pied des éoliennes et qui suit le chemin ici de randonnée et qui arrive à l'entrée du site et qui est connecté directement sur les transformateurs qui vont ensuite alimenter les électrolyseurs et l'ensemble du process. Grâce à cette électricité, les molécules d'hydrogène et d'oxygène contenues dans l'eau vont se séparer. L'unité sera capable de produire dans un premier temps 300 kg d'hydrogène quotidiennement. 300 kg d'hydrogène par jour, c'est l'équivalent de 25 bus. Donc ça nous permet d'alimenter des flottes logistiques type chariot élévateur, camion. Ensuite, dans un deuxième temps, les stations qui sont développées sur la Vendée ou dans toute la région pourront accueillir des véhicules particuliers. Chalon, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les Sables-d'Olonne ou La Roche-sur-Yon ont déjà prévu d'alimenter leurs bus, leurs camions poubelles ou des stations de recharge grâce à l'hydrogène produit ici, sur un site dont le danger est limité, assure la société. En cas de fuite, que ce soit sur un véhicule ou dans un site industriel, l'hydrogène est un gaz très léger, extrêmement léger, c'est le plus léger existant. Donc l'hydrogène se dissipe extrêmement vite, donc le rend moins dangereux que d'autres gaz beaucoup plus lourds. À deux pas du site de production, Life fait également construire des bureaux qui accueilleront un centre de recherche. Les ingénieurs plancheront ici sur le développement de nouveaux sites de production d'hydrogène, implantés cette fois au large. L'intérêt pour nous est vraiment de développer des sites de production d'hydrogène offshore qui nous permettront d'avoir à la fois un hydrogène encore moins cher, parce qu'en mer, le vent est beaucoup plus stable, la source d'eau est beaucoup plus abondante que ce qu'on peut avoir sur la Terre. Un premier essai au large du Croisic est déjà prévu l'an prochain.